un truc pour se péter le bide. Tu te pétais le bide, toi? Ah, mais là, bon, j'ai trop trop faim, mon bide, il fait... Et mon casque, comme ça, il a presque l'air propre, regarde. Et non, c'est pas vrai. Je suis plus sale, je crois, non? Toi, tu dois pas être mal, aussi. Toi, t'es pas mal. Je suis tombé, quoi. T'es, ouais, t'es trempé. Mais toi, t'es blanc, du coup, ça se voit. Le maillot était propre, hein. Ça se voit, quand même, non? Ça se voit, là, parce que t'as la plus dure de où t'étais assis. J'avoue. De chaque côté. Ou même là, regarde. Ah. Ça, c'est du tacos. Ah, grosse ambiance, hein. Très bien, très bien. Bien, bien. Appuie bien sur tes cale-pieds pour que la roue arrière elle freine. Je crois que t'as bloqué la roue, chef. Attends. C'est parce que t'es en deux, ça, c'est trop puissant. Voilà, vous allez voir. Juste elle nettoie aussi, bah ça va rendre. Ça va rendre 40 fois mieux, hein, clairement. Le plus dur, c'est toujours d'ouvrir les bouchons. Allez, hop. Bon, maintenant on va passer au graissage du filtre air. Alors, deux façons de faire, déjà on va mettre des gants. Hein. Première façon de faire, c'est avec le spray. Donc simplement spray son filtre air, on va le malaxer, etc. Deuxième façon de faire avec du liquide. Voilà, de l'huile tout simplement. Donc là, deux façons, soit on prend, hop, on fait comme ça, hop, hop, soit on met un fond dans un seau, donc par exemple là, et tu vas malaxer, etc. Ton filtre dedans, bien faire attention simplement qu'il soit bien imbibé partout d'huile. Donc moi ce que je vais faire, c'est que pour commencer, je vais d'abord en mettre dans le seau. Donc un tout petit peu, voilà, tu mets un micro fond. Parce qu'en fait, tu vas voir que le filtre absorbe énormément. Donc hop, voilà, voilà. Ensuite, du coup, tu as un bon petit truc d'huile. Et là, après, il ne reste plus qu'à malaxer. Alors faut le faire pas mal de fois, faut pas hésiter à forcer, surtout, très important les gars, quand vous faites votre filtre, ne le tordez pas comme ça. Tout simplement ça va casser les fibres, donc vous pouvez le plier autant que vous voulez, forcer dessus, comprimer autant que vous voulez, mais surtout ne pas le tordre comme on pourrait essuyer un torchon. On fait comme ça, regardez, ça fait des petits fils, on voit que la graisse se met un petit peu partout, hop. Donc ça c'est très très important, faire gaffe qu'il y ait vraiment de l'huile partout. Aussi, ce qu'il faut penser à faire, c'est en mettre sur les petits rebords. Donc là c'est l'intérieur du filtre.
en mettre ici, bah, ça va permettre simplement que ça fasse vraiment l'étanchéité. Donc ne lésinez pas, il faut en mettre bien sûr à l'extérieur, mais aussi un petit peu à l'intérieur et sur les bords. Voilà, donc il faut bien l'imprégner. Je dis ça surtout si vous mettez du spray, parce que le spray au début va rester que en surface, on va dire. Donc il faut bien penser aussi à en mettre là, le malaxer. Moi je vais rajouter, il en manque un peu, voilà, sur les bords. On voit que ça commence à être beaucoup plus homogène là déjà. Avant il était vraiment tout blanc. C'est vrai qu'avant je mettais de la graisse transparente, donc ça c'est pareil. Si vous avez l'habitude de faire vos filtres, c'est pas très grave. Si vous n'avez pas trop l'habitude de faire vos filtres, la graisse transparente, quand t'as jamais fait le filtre, bah, tu sais pas vraiment si t'en as mis partout. Donc il faut faire attention. Bon après quand t'as l'habitude ça se fait, hein. Ça c'est pas très compliqué. C'est vrai que ça peut compliquer la chose un peu. Faites attention comme je l'ai dit. Voilà, on malaxe. C'est ultra bizarre de faire ça, t'es là pendant 5 minutes. Tu fais ton truc là. Hop. N'hésitez pas à bien comprimer quand même, comme ça va faire sortir les endroits où il y en a un peu trop. Ça permet d'en être un peu partout. Bon il commence à être pas mal homogène, regardez. Il en manque un tout petit peu à certains endroits, donc on va continuer à le malaxer quand même un petit peu. Aussi ne pas le gorger, hein, voilà. Parce que si tu le gorges, qu'est-ce qui se passe? Bah l'air ne passe plus, hein. Clairement, s'il n'y a que de l'eau et de l'huile dedans, enfin de l'huile. C'est du liquide dedans, de l'huile, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Ça devrait être bon. Donc le mieux c'est de le laisser sécher un petit peu. Hein, voilà, que quand vous démarrez votre moto, la moto n'aspire pas bah, toute l'huile. On va pouvoir le remonter. Quand on remonte bien sûr, on prend l'armature. On fait gaffe que l'armature soit propre, qu'il n'y ait pas de. Des fois un peu de poussière qui peut se coller dessus. Quand on le démonte, on le pose quelque part où c'est pas propre. Faire attention, très très important. Si vous lavez votre filtre, vous le graissez et que là il y a de la terre dessus que vous le mettez, bah, le moteur il va pas être bien. Clairement, c'est pas bon. Donc ça, c'est aussi vérifier. Je sais que des fois c'est pas forcément fait et c'est bête parce que c'est comme ça que tu peux casser un moteur même si tu fais tout bien. Donc faut pas vérifier que le filtre. Pareil, votre boîte à air, il faut vérifier qu'il n'y ait pas un petit peu de dépôt ou un peu de poussière qui se soit collé. Donc là, hop, c'est bon. Juste à mettre ça. Voilà. Ok. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Il est bien bleu, il est prêt à être remonté. On arrive donc sur la boîte à air. Et là, on va regarder qu'il n'y ait pas de dépôt ici, ici. Voilà, faut que ce soit propre. Si on a un petit peu d'huile, voilà, vous voyez, ça c'est de l'huile qu'on avait mis déjà sur l'ancien filtre à air. C'est pas très grave. Voilà, il faut juste faire attention qu'il n'y ait pas trop de détritus. Parce qu'au fur et à mesure, ben, forcément, ça va rentrer dans le moteur et c'est pas bon du tout. Il y a l'étanchéité, donc que bien cette partie soit calée. Donc là, vous voyez, je peux pas passer mon doigt. Voilà, c'est bon. Fait tous les côtés, bon j'ai déjà vérifié, c'est très important, surtout sur les 4T, je sais qu'il a un sens où il se met particulièrement et des fois on peut le mettre dans le mauvais sens sans faire exprès. Il y a des petits crans à rentrer dans la boîte à air, donc il faut faire très attention. Pareil, je sais que sur celle-ci, voilà, il y a un petit piqué, on va dire, qu'il faut rentrer. Important aussi, refermer, ça m'arrive, tu passes, tu fais pas gaffe, paf, tu tapes dans le truc, t'en mets partout, et après t'as la mort parce que t'as plus d'huile et qu'après il faut nettoyer. Donc voilà, pensez, super important aussi de bien graisser la chaîne. Ça, c'est très, 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 très important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord la nettoyer. C'est avec ce petit kit iPod. D'ailleurs, un kit à gagner parmi les commentaires. Donc, déchaînez-vous, mettez des commentaires. Je ferai gagner un kit parmi vos commentaires. Résultat, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce kit? On a tout simplement quelque chose pour nettoyer la chaîne, premièrement, hein, avant de la graisser. On a la petite brosse. Voilà, pour la nettoyer, ça marche ultra bien. C'est un plaisir d'utiliser ça. Et on a bien sûr ben, la graisse pour chaîne, tout bêtement. Donc là, tout bêtement, on va sprayer la chaîne un petit peu. Hop. Et là. Vas-y. C'est pas si simple, hein. On est bien assez de deux, mais au moins, ça c'est ce qui nettoie la chaîne le mieux possible. Vas-y. Vas-y, stop. Donc là, déjà, elle fait beaucoup moins la gueule. On va le refaire comme ça. Vas-y. Comme ça, on aura bien nettoyé tout ce qu'il faut. On a nettoyé le dessous et les côtés. Maintenant, on va nettoyer dessus. Voilà, vas-y. Hop, stop. Hop. Vous voyez, elle coule un peu, mais au moins, là, c'est nettoyé comme il faut, là, c'est pépite. Ça ambiance un peu, hein. Arrivé à destination, on a sorti les motos, maintenant repos, et demain.
C'est ça qu'on veut, bébé. Oula. Ah oui, de l'air. Ça fait les bras. Con. Elle doit être sympa celle-là quand il pleut. Elles sont les pierres là. Oh, rien, j'ai pas mes lunettes. Wow. C'est bon ?
GoPro, reste là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je tiens plus sur mes cannes. C'est haut là? C'est beau mais c'est loin.